assez brouillé avec lui. Des palpitations, une jambe comme paralysée, hein, des crampes dans le côté. Excusez-moi, il va vaciller vite, je crois que nous nous sommes trop échauffés. Mais maintenant j'y suis, ce prêt vous appartient en effet. Oui, le pauvre Ashtamok. Mon cœur bat comme un fou. Mes paupières, des mitraillettes. Mais oui, j'ai ta poutre. Asseyez-vous donc. C'est nous qui avions tort. Oh, simple question de principe. Je tiens pas à cette terre, mais je tiens au principe. Au principe, parfaitement. Mais parlons d'autre chose. D'autant plus que je possède des preuves. La grand-mère de ma tante, un souhaitant de considère au paysan du grand-père de votre papa, vous conduirez. C'est bon, n'en parlons plus. Je me demande par où commencer. Irez-vous bientôt à la chasse? À la chasse aux coques de bruyère. Oui, inestimable Natalia Stéphanovna. Après la moisson, je pense. D'ailleurs, vous ne savez pas, il m'est arrivé une tuile. Mon ougadaï, vous le connaissez? Il s'est mis à boiter. Quel malheur! Pourquoi donc? Allez savoir. Il a sans doute une entorse, ou d'autres chiens l'auront mordu. C'est mon meilleur chien de chasse! Sans parler de ce qu'il vaut, je l'ai payé à Mikhanov 125 roubles! C'est beaucoup trop cher, Ivan Vassilievitch! Ce n'est pas mon avis. Papa a payé son autre kata 85 roubles et vous savez bien que votre ougadaï est loin de le valoir. Quoi? Ougadaï ne vaut pas ougadaï? Ougadaï ne vaut pas ougadaï? Mais bien sûr, ce n'est pas un chien adulte, je vous l'accorde, mais pour les formes, vous ne trouverez pas son pareil, même pas chez Bolchanetsky. Permettez, Natalia Stéphanovna, vous oubliez que sa mâchoire intérieure est plus courte que sa mâchoire supérieure. Un tel chien ne vaut rien pour attraper le gibier. Première nouvelle. Je vous l'affirme. Vous avez donc mesuré sa mâchoire? Oui, je l'ai mesuré. Pour suivre le gibier, ça va, mais pour le prendre... D'abord, notre bataille de la race, il possède un pédigré, c'est le fils de Zadrigaï et de Stameska. Et votre cabot, on ne sait même pas d'où il sort. Il est vieux et vilain comme une pauvre race. Tout vieux qu'il est, je n'échangerai pas contre 5 octataïs. Aucune comparaison. Ganaï est un vrai chien de chasse, lui. Ridicule de discuter. Des octataïs, on en trouve 13 à la douzaine chez n'importe quel marchand. 25 roubles, c'est tout ce qu'il vaut. Mais quelle mouche vous pique aujourd'hui, Ivan Vassilievitch? Tout à l'heure, vous affirmiez que le prix au vache est à vous, et voilà que maintenant, Ougadaï est plus beau que Katai. Je n'aime pas qu'on dise le contraire de ce qu'on pense, et vous savez parfaitement que notre haute Katai vaut 100 fois votre stupide Ougadaï. Pourquoi me contredire? Je vois, Natalia Stéphanovna, que vous me prenez pour un aveugle. Ou pour un imbécile, comprenant pas que votre sale cabot a la mâchoire inférieure plus courte. Ce n'est pas vrai. Si. Ce n'est pas vrai. Et vous, pourquoi vous faites des bêtises? C'est révoltant à la fin. Votre gadaï est toujours tout bon à faire piquer. Vous osez le comparer à votre taille? Oh, excusez-moi, mademoiselle, je ne peux plus poursuivre cette discussion. J'ai des palpitations. J'ai remarqué que ce sont toujours les chasseurs de rien du tout qui disputent le plus. Mademoiselle, cessez, je vous en supplie. Mon cœur va éclater. Silence! Je ne me tairai pas tant que vous n'aurez pas reconnu que notre autre cataï vaut 100 fois votre ougadaï! Il vaut 100 fois moins qu'il crève, votre ougadaï! Ah! Mon dieu, l'embêtant, quand c'est chandelle! Votre ougadaï n'a pas besoin de crever, lui, c'est déjà une charrette! Taisez-vous! Non, je ne me tairai pas!